jusqu'au bout. Apporte les liens. L'ennemi est sorti vainqueur. Même en face de l'opposition. Car tu as choisi, Seigneur, Yahweh, d'habiter dans nos cœurs. Tu as dit, ne savez-vous pas que vous êtes les temples de Dieu et que l'Esprit de Jésus habite en vous. Oui, laisse que ce matin, ton Esprit vienne établir sa demeure. Seigneur, dans nos cœurs, par cette bonne nouvelle, par cette parole, que la gloire te soit rendue. Toi, le Dieu de notre suffisance. Toi, le Dieu de notre paix. Toi, le Dieu qui nous soutient. Merci. Maintenant que nous voulons écouter ta parole, Seigneur, permets que Yahweh, cet enseignement puisse, Seigneur, produire, Seigneur, quelque chose de nouveau par rapport à notre vie spirituelle. Et par rapport, Yahweh, à la connaissance, nous voulons, Seigneur, être éclairés par toi. Car il est écrit, c'est par ta lumière que nous voyons la lumière. Yahweh, la Bible dit, toi seul, Dieu sage, c'est toi seul qui peux communiquer la vie et communiquer l'intelligence à ce peuple, Seigneur. Oui, Père, nous croyons à ta fidélité. Nous croyons, cher Saint-Esprit, à ton action et à ton œuvre. Pendant ce moment, qui suis-je, Seigneur? Je suis rien sans toi. Parle, Seigneur, parle. Tu as dit à la femme samaritaine, tu viens à chaque moment puiser de l'eau en scellée, et cette eau va toujours sécher. Mais l'eau que moi je te donnerai ne séchera jamais. L'eau que moi je te donnerai fera en sorte que tu ne viennes plus puiser en cette eau. Et la femme avait réagi. Seigneur, donne-moi de cette eau. Laisse que ce cœur réagisse, Seigneur, pendant, Seigneur, que cette parole est prêchée. Seigneur, qu'il fasse Yahweh naître en elle la soif et le désir de t'écouter. Oui, Seigneur, nous te disons merci. Merci encore pour ces bons moments que nous allons passer autour de ta parole. À toi c'est la gloire, la puissance et la majesté. Maintenant jusqu'à l'éternité, au nom de Jésus, nous avons prié et nous disons tous, parle-nous Seigneur Jésus-Christ. Parle-nous. Tous avant sur la Bible en abyssant. Et nous allons ouvrir cela dans le livre des Chroniques. Aujourd'hui nous commençons par ce livre. Les lots de la boucle, voilà. Et nous allons voir qu'est-ce que le Saint-Esprit a préparé ou a réservé pour nous. Pétorota, Nino, Molino, Santo, Abongi, Célibiso. Ok. 1 Chronique, chapitre 4. Bassamweleka, Mokaponamine. 9 à 10. À partir, il y a verset Nango. Pour ceux-là qui lisent la Bible, ils savent déjà, peut-être ils ont déjà l'idée. Bah, on va attendre à qui. Pour vous, d'attendre à l'Iblia d'Abbas. Voilà, je veux lire en partie du 9e verset. Et je le lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Jabez était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabez en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jabez invoqua les dieux d'Israël en disant, écoutez cette prière, si tu m'es béni, et que tu étendes mes limites. Si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Point, point, point. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Amen. Amen. Et Dieu
accorda ce qu'il avait demandé. Coupé sa jabet le kumu kole kabande konaye. Mama na ye apesai kie kombo jaibet pambate alobaki na bota kie na pasi mingi kasi jaibet asambe la kiboye yo kalusa zambe ya Israel benisa ngai komisa mabele na ngai monene bate la ngai longo la ngai mawape pasi zambe akokise la kie makambo oyo asenga ah alinga na jepata disa bate langai eko pardon longo langai mawape pasi zambe ya Israel benisa ngai komisa mabele na ngai monene bate langai longo langai mawape pasi ils ont interprété quelque chose qu'ils allaient c'est que longo langai pendant la lobe la likolo na ngomi c'est que si tu étends les limites pour ceux qui ont la Bible en français, on va dans la Bible en français. Mais la quoi? La phrase qui suit, j'avais dit, si ta main est avec moi. Ce qui le bon connaît, le mot engage. C'est-à-dire quoi? Seigneur, tu vas étendre, tu peux étendre mes limites. Seigneur, tu peux me bénir. Mais ne n'oublie pas. Déposer ta main sur moi. Et surtout que j'aimais le forfait à formuler sa prière au conditionnel. Soki, pourquoi? Parce que il sait si la main de Dieu est sur quelqu'un, est sur une personne, il y aura des résultats positifs. Quand même je suis Jaibet. Parce que Jaibet signifie quoi? La douleur. Basi. La souffrance. Mignocoli. Et on nous dirait que sa maman lui a donné ces noms-là. Il lui a donné ces noms-là. Parce que le jour de la maternité, cette maman-là a frôlé la mort. Elle l'a enfanté. Elle l'a enfanté avec douleur. Et voilà pourquoi il lui donne le nom de douleur. De douleur. En passant, il faut vraiment voir. Prendre trop au sérieux les noms que nous donnons à nos enfants. Et la personne qui s'appelait Douleur, quand il a grandi, il constatait dans sa vie qu'il n'était pas béni. Il constatait dans sa vie qu'il allait de souffrance en souffrance. Et heureusement qu'il connaissait Dieu. Après avoir compris cela, on nous dit au verset 10 que Jaibet évoque les dieux d'Israël. C'est le seul Dieu-là qui est capable de changer l'histoire des filles des autres. Parce qu'Israël était d'abord Jacob. Et après un certain moment, la main de l'Éternel a manifesté sa puissance. Et lorsqu'on change les noms, c'est qu'on change aussi la destinée. Parce que les noms expriment aussi la destinée de l'homme. La douleur ne pouvait qu'accompagner Jaibet parce qu'il portait ces noms-là de Jaibet. Jaibet signifie douleur. Jaibet n'est pas béni dans ta vie. Voilà pourquoi Jaibet tu sens que tu es limité. Tu as des limites. Je sortirai vainqueur. Ah, que l'Éternel bénisse sa parole. Amen. Néton. Car la bonne main de mon Dieu était sur moi. Que le nom du Seigneur soit élevé. Amen. Être la fin de cette histoire. Les résultats qu'avait produit cette prière. On nous dit que Dieu accorda. Accorda à cet homme ce qu'il avait demandé. C'est que la main de Dieu, puisque cela a été posé sur lui, cela a changé les choses. Aujourd'hui, je veux plus parler des principes. Mais laisse-moi te rappeler quelque chose. Je vais un peu te rafraîchir la mémoire. Néhémie était abattu. Néhémie, il y a tout mis sa maquille.
à cause de la mauvaise nouvelle qu'il avait reçue de la part de ses frères. Tellement qu'il était attaché avec son pays, il aspirait pour le meilleur de son peuple. Il pensait, il rêvait vraiment Jérusalem dans sa gloire. En écoutant cette nouvelle, l'ennemi n'était plus à l'aise. C'est là il a perdu la paix. C'est comme ça, il s'est dit que je dois faire quelque chose. Mais comment moi je suis Néhémie, je ferai quelque chose comment? Qu'est-ce que j'apporterai comme solution? Parce que moi je suis Néhémie. Je suis un homme. Je suis limité. Je commencerai par où? Parce que Jérusalem est une grande ville. Israël est un grand pays. La Yeah.
Si nous revenons à lui, puisque nous avons fait alliance avec lui, lui aussi ne tardera pas à nous faire du bien, à prendre sa compassion dans nos vies. Il est déchiré de lui-même, il nous guérira, il a frappé de lui-même, il nous bandera nos plaies. Des jours, si nous revenons à lui, il nous rendra la vie. Et la troisième chose, il nous relèvera. Il nous relèvera. Comment pourrais-je me confier dans ce moment de crise, dans ce moment de douleur, dans ce moment de désolation? Oui, laisse mes regards soient tournés vers celui qui est le Dieu d'alliance. Ma vie appartient à quelqu'un. Je ne vais pas comprendre pas si la terre. Je ne vais pas si et pas si la terre. Je ne suis pas un vagabond. Il y a quelqu'un à qui j'appartiens. Qui a promis de défendre ma vie, qui a promis de me protéger, qui a promis de me sécuriser, qui a promis de prendre soin de ma vie. Je ne parle pas moi-même, j'exposerai ma cause, c'est un peu de moi-même. Je suis le serment, non, je suis le serment, et lui est le sceptre. Je comprends que le serment ne peut jamais produire le fruit. Et le col est éteint. Lui est le seigneur. En tout cas, je suis appelé à recourir, à rentrer devant lui, à rentrer devant sa femme. Oh, peuple congolais, quand vous passez des moments de crise, quand vous traversez des vallées de des moments sombres, des moments d'humiliation, à qui vous confiez? Frère, laisse-moi te dire, c'est dans les combats qui révèlent. Amen. Merci, Aya. T'es là. Même Soso, j'ai parlé de Soso ici le matin. Amen. Essaye d'attraper son petit. Et tu verras les cris de ces petits-là, de ces poussins-là. Quand il pousse un cri, c'est qu'il fait appel à sa maman. Amen. C'est-à-dire, quand on a un Soso, on l'oublie de bitouma la maman. Amen. Vous comprenez la tête? David, quand on a un Soso, on l'oublie de bitouma la maman. C'est une affaire d'alliance. Ah, le bon là, c'est une affaire d'alliance. C'est une affaire. Ouda. Amen. Et celui avec qui tu as fait alliance, allez-toi de te défendre. Allez-toi de te protéger. Et c'est le père là qui est là. Les esprits intelligents, lorsque tu ne marches pas, ils font debout en alliance. Le fils prodigue. Pourquoi il est rentré à la maison? Certainement il était sorti avec des grands biens, en gaspillant, en dilapidant tous les biens de son père. Mais lorsque ça barquait, il a pensé à l'alliance. Il a pensé à l'alliance. Je ne peux pas continuer à souffrir ici, loin de la maison de mon père, mangeant même des carouches. Je suis devenu comme n'importe qui. Qui est resté là-bas? C'était Richard. C'était un grand personnage. C'était un grand homme. Non, je te cite. Je n'ai plus de rentrer. Je rentre. Et la Bible nous dit, lorsque ses frères revenaient, il a trouvé son père sur la porte. Les regards vers l'Orient. La gloire lui était prise. Il y a un père et lui. Il y a un père, papa. Papa biologique est mort. Mais sache-le, il y a un père céleste. Il y a un père biologique que ton père biologique. Il y a l'alliance de Christ. Lorsqu'il y a des troubles, alléluia, dans les communs, l'alliance va te réclamer. Dans la pomme profonde, l'alliance va te réclamer. Je bénis Dieu. Il est celui qui ne réclamait pas son alliance. La Bible dit, une maman fait oublier son fils. Une maman fait rejeter son fils. Mais l'éternel, lui qui est différent de ta mère, il est celui qui est différent de ton père. L'alliance avec lui
l'alliance avec Jésus, l'alliance avec le sang de la croix, l'alliance avec l'homme de Galilée, l'alliance avec l'homme de Galilée, l'université de trois jours, priez là, l'homme qui sera malade, cette alliance est criée là, devant les calamités, cette alliance est criée là, devant les troubles, cette alliance est criée là, pour faire cette petite solution, cherchez-vous les refuges. N'est-il pas un père? Et quand Jésus a compris cela, à chaque fois il élevait son père, chaque fois il parlait de son père. Et vous me laisserez vous tous. Mais ce que je sais, je ne serai jamais seul. Mon père serait avec moi. Mon père, Tata Nanga, mon père, Tata Nanga. Et c'était un sujet de trouble parmi les Juifs. C'était un sujet de trouble parmi les Juifs. Et ils ont voulu même les lapider, Ils ont voulu même les lapider. Pourquoi? Parce que toi qui es un homme, tu fais de lier ton père. C'est une affaire de convenance. Il n'y a point d'autre Dieu devant sa face. Devant sa face. Toi et lui. Et
par le sang de la croix, par le sang de la croix, il a donné sa vie pour toi. Il est devenu malédiction pour toi. Il s'est fait pauvre pour que tu sois enrichi. Il a supporté l'ignominie, il a supporté la honte, il a supporté l'opprobre pour que le pauvre n'ait plus le pouvoir dans ta vie. On a craché sur lui, il a craché sur son visage. Et toi tu étais préservé. Les châtiments qui te donnent la paix étaient tombés sur lui. Et pourquoi il n'a pas résisté? Pourquoi il n'a pas ouvert la bouche comme cet agneau? Parce qu'il savait que c'était une affaire d'alliance. C'était une affaire d'alliance. Et par cette alliance, tu as la victoire devant les alliances maléfiques de ta famille. Tu as la victoire devant la puissance des célibats qui menace ta famille. Tu as la victoire devant la puissance de la pauvreté qui menace ta famille. Tu as la victoire. Tu ne vaincras pas par toi-même. Tu vaincras encore des alliances. Mais le rocher t'a quitté le débat. Ce n'est pas encore de ses pieds. Tu es sûr de contacter ses pieds. Il est tombé front par terre. Comment quelqu'un qui reçoit un coup ici? Ils sont tous. Est-ce qu'il y a quoi dans mon Congo?
Il tomba front contre terre. La personne qui a battu Goliath. Moi, je n'ai pas Goliath. Ce n'est pas celui qui était devant Goliath. Goliath a tiré son attention. Amen. Devant cette personne-là. Amen. Oh, c'était une stratégie. Amen. J'ai appris que tu es venu. Amen. Si vous revenez à moi, lorsque vous serez exilé, même jusqu'à l'extrémité du ciel, de là, kuna ma main, le moko nanga, vous rassemblera et vous ramènera. Ce n'est pas seulement Bokimi na Brasa. Même si vous kei tina songe à Bokimi, il suffit seulement vous reconnaissez l'alliance. Et que vous rentriez chez moi. De ces fonds-là. Na kuna na point ina fin fond là na kati kuna suka balie 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 fatwa. Amen. Kindo ki 100% côté maman côté tata. Basanga na siko. Basala bon bouclage. Amen. Si vous voyez une bizarre. Mais à cause d'alliance, le beau Kwanzaa, le Kulandaïo, le Kulandaïo, le Kulokalisé. J'ai pris ce matin que la bonne main de mon Dieu puisse localiser. Là, on a porté ta vie, là, on a porté tes chances, là, on a porté tes progrès, là, on a porté tout ce qui est passé. Et cette bonne main est localisée. Le beau Kwanzaa localise maintenant. Écoute, on a sorti. Et puis, mis en sorti. Des acclamations à notre Dieu. Amen. Nathanie Nakombo na Yesu. David akangaki basoda 1700 oyo bamataka punda. Pe basoda 20,000 oyo batambolaka na makolo. Akati kati misisa ya makolo ya bapunda nyonso. Atiki bobele bapunda kama moko donc sang. Na basharete na yango yemoko a kamati yango 5 basirien oyo bapanda kana mboka Damas bayaki atie bato na ye po batambusa mboka mobimba ya Edom bongo ba Edonite nyonso bakomi kotosa ye. Yahweh azalaki koloni sa David bipa inyonso azalaki kokende. Cette phrase et bandela maki balami baleka kana mokapomo. C'est l'histoire de David. Na oetali David. C'est le verset 4. Exact. C'est chapitre 8. Na mamine ya. Tu verras cette phrase kapali libwa. Je vais juste moi en pardon. Je vais juste tenir la phrase. Na ndaka kaka loba. David lui prit 700 cavaliers, 20 000, tout ça, il ne coupe pas les gens. Ah, Akati, Makolo. Hein? Pas les gens. Akati. Ok, ok. C'est la marche. Ah, c'est bon, tu n'es pas en train de se faire. Assujetti à David. Boye Basirien, Bakomi Kotos à David. Et lui payait un tribut. Et Bazaki Kofouta, il n'y a pas. Soul, si c'est votre Bible. Tiens, t'es le seul qui est la Bible, Yanayo. L'Éternel protégeait David partout où il allait. Yahweh Azaraki Kolongi sa David Bipa Ignon sa Bandebo Kimbi. L'Éternel protégé David partout où il allait. Yahweh Azaraki Kolongi sa David Bisika Ignon sa Bandebo Kimbi. Partout. Et Sika Ignon sa. Partout. Et Sika Ignon sa. N'importe où. Et Sika Ignon sa. Yahweh protégé David. Yahweh Abandaki Kobate la David. Et même moi au 14 verset. Ndenge Boko Penete Nango Yazomi na. En répète en disant ceci. Bandebo Ebalobi Boe. David a fait des exploits. David Yahirongaki. Il prit des garnisons à Zuibato d'Edom. Et on nous dit ceci. Mais pas et tout Edom fit assujetti à David. Edom, l'Éternel protégeait David partout où il allait. Kolo Abandaki Kolongi sa David. Ça, au verset 6. Oh yo, au verset 14. Yamoto Abena 14. Repris
répéter Babandé la même phrase. Il le passait moko. Et pour ceux-là qui ont bien suivi cette matière, cet enseignement, vous pouvez comprendre aussi que dans le livre de Néhémie, deuxième chapitre, il a aussi répété deux fois en disant ceci, car la bonne main de mon Dieu était sur moi. Dans un même chapitre, il répète cette phrase à deux reprises. Ah ben, et là, on y a sur la Bible, il chaque fois que nous voyons la Bible répéter une chose. Quand on y a sur la Bible, ils ont battu les locaux encore. Bien aimé. Mon ami. C'est une façon seulement de nous faire voir l'importance de ces choses-là. C'est une façon seulement de nous prouver combien important. L'Éternel protégeait David partout où il allait. Car la bonne main de mon Dieu était sur moi. Et attendons, écoutez encore ceci. Genèse 39. 20, vite, vite, je vais à 23. Après si mitin doete, bakara Joseph. Bongo, bakangi epe, batie ye, naboloko, yabato, yamokondi, mounene, yagypte, akagisaka. Après que son chef, son patron, ait mis toutes les responsabilités de la maison entre ses mains. Après ça, qu'il va fumer la nuance en dehors de ma boîte à Joseph. Parce qu'il avait constaté quelque chose. Spécial chez Joseph. C'était pas Joseph. Dieu était avec lui. Zambé Zakina Joseph et Longo. Vous me suivez? Amen. Suivez très bien parce que même après. Nassima. Après cet événement, Nassima Likambwana, la femme vient lui compliquer la vie. Moi, ça m'a conduit à ce qui lui avait coûté la prison. Et c'est à partir de là que nous sommes en train de lire. Il quitte la maison de son chef, son boss, pour la prison. Mais arrivé dans la prison, écoutez ce qui se passe. Babesi mitindo ete bakanga Joseph bongo bakangi epe batie ye na boloko ya bato oyo mokonzi monene ya Egypte akangisaka. Kasi Yawe azalaki pe na Joseph kati ya boloko. Toujours la même chose. L'Éternel fit avec lui dans la prison. Na kati ya boloko. C'est une affaire d'alliance. Ezali kamba boyokani. Et comme conséquence, le quoi bando, Azaki, Kola Zaki na Bolokbe, Asala qui est malade, Yango wana, commandant ya Boloko, Asepela qui na Joseph Mingi. Donc, commandant Boloko, Azo Sepela na yo gratuitement. Parce qu'il le pousse ou qu'il attire vers toi. Ça n'anguya moko Azo tindi que deux hommes m'aimaient pas ina yo. Pas lui akoba na yo. T'es bien le même. Et ça n'anguya moko Azo tindi que peine na yo. Mon boloko asepela ngine mingi atiaki bato ya boloko nyonso na maboko na ye. A komi chef bato kabola potopoto na bolo. So yo monde zo gérer potopoto. O ku fatande. To mona ba 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 gérer ya potopoto na na retraite. Et to yemi bato sou bato ki faveur. A petit 5 tours, 25 tours, 60 tours. A ti ngolo apela Joseph na kati ya komeka. C'est dit, avec la carte à Boloko, mais on sentit chaleur à Boloko. Parce que le commandant lui regarde. Quand il regarde, ce n'est pas son visage qui l'a attiré. Mais il y avait quelqu'un qui était avec lui. C'est cette personne-là qui a fait que le commandant puisse jeter son regard, prêter son attention sur lui. Et il ne se limite pas là. Je veux prier, frère. Ici, il y a des gens qui pensent
seulement te faire du mal. Quand tu es sans douleur, il faut qu'on m'aille. Et puis, c'est lui qui va commencer à te chercher. Et ça, il y a une dame qui va te chercher. Il y a des choses comme ça. Et quand ça arrive dans les ministères, comme ça, il y a à peine un automne. Un bon matin comme ça. Dans la tombe, on va vous chercher. C'est une enveloppe de 50 dollars. Dans la enveloppe, on va 50 dollars. Quand tous les matins. Dans la tombe, on va. Quelle belle journée. Dans la tombe, 50 dollars dans ce pays. Tout au début de la journée. Kaka les banatongo. Vous savez. Oui. Et il m'a qu'il n'y a pas un mot qui est long. Il y a une petite image qui a 50 dollars. Va s'en les arbres. Oh, ce qui nous a mangé, ça nous fait faire. La vie, on peut qu'occuper. La vie, on peut qu'occuper. Amen. Quoi, ça n'a pas été au bas de la colombe. Ce qui nous a mis à l'île, à toutes les responsabilités dans la prison. Les compagnons sont dans la prison. Bien-aimés, l'élévation ne vient ni de l'Orient. Elle ne vient ni de l'Occident. C'est Dieu qui élève. Mais je pense qu'ils se sont étonnés. Frère, c'est Dieu qui élève. Frère, vous avez monté ma bête, c'est Dieu qui élève. T'as là, Kouluka gauche, t'es Kouluka droite, c'est Luka Nzambe. C'est Dieu qui élève. Si le Seigneur décide, et qui peut être dans la Yaki Moussou, dans la Yaki Sima. Dans l'église, et qui peut être dans la Yaki Moussou, dans la Yaki Sima. Dans Moussale, qui peut être dans la Yaki Moussou, dans la Yaki Sima. Dans la Mona. On va dire qu'on commande l'obi. L'obi est qu'on commande. Amen. Dans mon ami, si tu as moussa, tu peux tu en gawa. Mais peux tu en moussa la moussa la naye. Ben voloan sa, mais ça n'y qu'on aye. A dit, c'est que tu vas promouvoir rien. Dans mon ami, les premiers seront les derniers. Amen. Les derniers seront les premiers. Amen. Les ouvriers de la 11 mai. Amen. Bah, suis battu dans ton mot, un dernier. Bah, suis battu dans midi, un dernier. Bah, suis dans 15h, un dernier. Bah, suis dans 18h, un dernier. Et là, vous foutez, vous pensez que dans ton mot, le midi. Oh, vous voyez qu'à 18h, et t'as lieu. Ngande patron, n'ai-je pas la liberté de faire ce que je veux avec la bien? Combien? Bon. Nous sommes attendus à combien? Combien tu as réussi? Dépendamment qu'on a dû payer. C'est quoi le problème? Second, il y a Mozawa. Non, lui, mais c'est pas 18. Ça, ça, c'est ton problème. Amen. C'est pas ton affaire. Ils ont le camounotier. Il était là. Et on lui confia la charge de tous les prisonniers qui étaient là. Il y a un prisonnier qui était là. Attention frère, pas à cause de son visage. C'est parce que le commandant avait quelque chose de si puissant. Puisque son visage, puisque sa beauté, puisque son attirance, sans tout le maman, bon qui sans tout le sel, mes frères, Luka ou l'équipe qui sans tout. Luka est au-delà de ça. Allons-y.
matin, j'aime entendre. J'aime écouter ce matin. C'est le procès qui se passe dans la vie de Joseph. Mais pas le fait de Nassar. Et la Bible nous prouve cela en répétant ces phrases. Confiez en côté. Confiez encore pour rien. Mais dis qu'à jouer sur ce qu'il est dans mes amis. Yo vie, eh bien, mais vous avez vu que pambate. Tout ce que vous avez bien, on a pambate. L'Éternel vit avec lui. C'est là où on a croyé. Et le succès a un nom. Et l'on a combo encore.